Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo voilà, sur les nouveautés sur la PS5. Donc voilà, vous avez toujours les menus en haut, donc jeux, contenu multimédia, rechercher, paramètres, et votre compte, et l'heure. Là, vous avez toujours le PS Plus, le PlayStation Store, donc la nouvelle fonctionnalité, bienvenue. Donc vos jeux, etc. et votre bibliothèque. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, voilà, c'est la catégorie bienvenue. Donc voilà, comme ça, ben, on va dire vous avez tout à portée de main. Vous pouvez voilà, choisir. Donc là, par exemple, voilà, je veux voir les mises à jour récentes du catalogue. Donc voilà, je vais dessus, je fais la croix. Voilà. Et ça me met voilà tous les jeux qui sont susceptibles de m'intéresser. Ensuite, donc vous avez des jeux également que vous pouvez télécharger, etc. Vous avez vos amis en ligne, vous avez vos trophées, vous avez l'activité de vos amis. Donc là, j'ai fait un compte exprès, hein, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a rien dessus. Vous avez également votre stockage de console. Vous avez le PlayStation Store. Vous avez les actualités. Vous avez vos listes de souhaits. Vous avez vos messages. Vous avez vos accessibilités. Et vos contenus multimédia. Donc voilà, vos photos, etc. Et vous pouvez également les changer. Donc par exemple, donc voilà, par exemple, je veux pas accessibilité. Donc voilà, je cherche dans la liste. Voilà. Donc là, je le veux pas. Par exemple, ben voilà, je fais la croix, je le décoche. Voilà. Et vous voyez, il y est plus. Voilà, et vous pouvez également les réorganiser comme vous le souhaitez. Donc voilà, il vous faudra faire. Donc là, je vais le remettre. Et là, pour voilà, déplacer vos petites icônes. Donc voilà, vous faites le carré. Vous descendez, vous allez à droite, à gauche, en bas, ou voilà, ce que vous voulez. Par exemple, voilà, on va dire, je vais le mettre là au-dessus. Et une fois que c'est fait, voilà, vous faites la croix. Hop, vous voyez, il est en premier. Voilà, je veux. Ensuite, donc voilà, je veux la manette sans fil, ben non, du coup, non, je voudrais la mettre en premier. Donc voilà, pareil, je fais le carré, je la déplace, voilà, et elle se retrouve en haut. Voilà, après, c'est tout dans l'ordre, hein, sinon, donc voilà, vous avez. Voilà, vous avez différentes. Voilà, comme ici. Donc, voilà, vous voyez, j'ai un petit. Voilà, quelques petites lignes qui s'affichent. Donc, je fais la touche Option. Soit j'ai la vue détaillée, soit j'ai la vue condensée. Voilà, si j'ai par exemple, j'ai plusieurs manettes ou. Voilà, et ça, je peux faire voilà, avec plein de petites choses. Et vous pouvez également donc modifier les widgets. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on a vu, hein, voilà, et vous pouvez également les agrandir ou les réduire. Voilà, en faisant L1 et R1. Voilà, et comme ça, ben, vous avez vos photos, voilà, en grand, par exemple, voilà, celui-ci.
Ah, bah, si je clique dessus, donc voilà, j'ai mes messages. Voilà, et bah, si vous voulez, voilà, comme ça, j'ai une vue plus grande. Après, voilà, c'est selon vos goûts, hein. C'est juste pour vous montrer, voilà, comme quoi c'est possible. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!